c'est vrai que le sport, notamment la GR, c'est une passion, déjà. Donc ça me permet d'équilibrer, de me retrouver vraiment. C'est quelque chose que je fais depuis 15 ans. Et vraiment, pour moi, ça me ressource. Ça peut paraître étonnant, c'est vraiment, c'est un sport, c'est très fatigant. Mais ça me fait énormément de bien, mais vraiment. Alors ce championnat de France est majeur dans la vie de notre club et c'est surtout l'occasion pour les gymnastes du club de voir ce qui se fait de mieux en France et je crois pour le public qui viendra nombreux ici aussi. Agréablement surprise parce que je sais que c'est quelque chose d'excessivement difficile. Je sais que ça demande une extrême rigueur, que c'est pas facile de se remettre en question tous les soirs, d'être au top tous les soirs. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça l'a bien fait mûrir. Ça l'a beaucoup aidé pour la gymnastique rythmique. L'année dernière, au championnat de France, ça a été étonnant qu'elle puisse justement gérer son stress de cette manière-là. C'était la première fois, quoi. Pas vraiment deux personnages différents. Pourquoi ? Parce que peut-être que même si sur scène je représente une femme qui assume son corps, qui est pleine de sensualité. Alice, c'est mon petit bébé, quoi. C'est vrai, elle a toujours été, on a toujours été très proches toutes les deux. D'autant plus qu'elle a plus son papa, donc elle l'a perdu très jeune. Je l'ai suivie régulièrement dans toute sa carrière. Bon, elle fait un sport que j'adore. Ce qui m'a surprise surtout, c'est le fait qu'elle allait danser quand même des nuits. J'ai trouvé quelque chose d'indécent ou autre qui ne me convenait pas, elle n'aurait pas insisté. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, elle sait s'imposer.